Underflesh. Underflesh. Et quel est votre genre musical? Metal, tout simplement. Yes. Alors bah, Underflesh, on va dire que le vrai Underflesh est né en 2008, alors qu'il nous a rejoint lui quand même après. Donc, il y a à peu près un an. 2011 quoi. Pour 2011, 2011. Donc, voilà, 2008, vraiment les premières réalisations, les premières compos dans une forme sérieuse. Mmh. Et puis avec ce batteur là qui a clos vraiment le line-up qu'on connaît maintenant, 2012. Pourquoi tu te plais le plus dans cette musique? Parce que techniquement, au niveau batterie, c'est l'éclat. Enfin, justement, c'est particulier. Ah oui, la puissance, voilà, la lourdeur, la technique. Mmh. Pardon pour le mot un peu technique, mais tu vois, le phénomène de catharsis, là. Ouais, tu sais, comme on disait, on aime bien voir la violence dans les films, dans les théâtres. Mmh. Parce que tu vois, comme ça, ça enlève tes besoins primaires de violence et tout ça. Bah, le métal, mine de rien, ça fait un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'on joue ou qu'on assiste à un concert, il y a vraiment ce côté, pas se défouler primairement justement, mais avoir quelque chose de travaillé, la musique. Mais vraiment, il y a cette puissance, ce son, qui fait que de toute façon, c'est bon. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer aux fêtes de la ville? Parce que c'est une belle scène et que le temps de jouer sur le roi. Assister tous les ans. Ça nous fait plaisir en tout cas parce que voilà. Par rapport aux premières interviews, maintenant on sait qu'on a été sélectionné. Ouais. Ça fait plaisir d'être sélectionné malgré le parti pris différent. Je crois que tu as eu cette soirée-là d'audition. Tu peux développer? Parti pris du faire du métal qui n'est pas accessible à tout le monde. Ah oui, forcément. Bah, de toute façon, jouer à la ville de Choisy, c'est pas forcément facile en tant que groupe de métal non plus. Donc, mais bon, on est là pour bouger les mœurs. Exactement. Okay, supporter quelque chose qui est un petit peu original pour cette belle occasion.